Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Bienvenue sur ce monde, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, cliquez sur ce bouton et ça va et abonnez-vous également sur notre chaîne et activez la cloche là-bas aussi, c'est très important. Ici, nous nous retrouvons pour la suite du témoin puissant précédent. Là, il va nous expliquer ce qui s'est passé avant d'avoir vu l'enfer et tout ce qu'il a raconté même dans le témoin puissant précédent. Que ce témoignage apparaîtra sur le camp de Seigneur Sobonne, vous pouvez cliquer là-dessus pour voir ce qui va se passer après, c'est-à-dire c'est la deuxième partie de ce témoignage que nous allons écouter maintenant. Ce témoignage vraiment est incroyable. Je l'ai écouté plusieurs fois et jusqu'à là, je ne suis même pas fatigué de l'écouter. Je ne fais que l'écouter, 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 l'écouter parce que il y a de la vie dans ce témoignage et on constate, on découvre que véritablement, il y a des anges qui nous gardent. Regardez à l'écran. Cette personne qui est ici, elle cherche à représenter qui? Un ange gardien. Maintenant, cette personne qui est en bas, elle cherche à représenter qui? Vous. Vous et nous. Vous et nous, on se. La plupart du temps, les anges sont là. Ah, est-ce que l'histoire des anges gardiens, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Effectivement, il y a des anges. Et cet homme va nous décrire comment est-ce qu'il a vu les anges, comment étaient les anges, et tout ce qu'il a vu après sa mort. Vous serez même surpris parce qu'il va vous dire ici ce qui est sûr, c'est que quand on nous dit que le neige, que c'est le chemin, nous devons croire. Parce que après sa mort, il sera transporté par deux anges qui vont l'amener dans un endroit où il verra personne que Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui verra dans un endroit, dans un vaste endroit, super et hyper vite. Mes frères et sœurs, nous allons écouter, il va nous expliquer comment il est mort, qu'est-ce qui s'est passé et plein d'autres choses. Écoutons-le. Je n'étais pas malade, je n'étais pas affamé, j'étais bien portant, avec une vision à accomplir, avec plein de projets dans la tête. J'ai une épouse et trois enfants. Mon épouse était enceinte du quatrième. Je travaillais dur pour atteindre mon but. J'avais connu quelques déceptions, mais rien de grave. Que s'est-il passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé avant ma mort. Je suis mort un vendredi, le lundi d'avant. Mon dernier fils Dan était malade. Et mon épouse m'a dit, ce lundi-là, nous devons emmener cet enfant à l'hôpital pour consulter un pédiatre. L'enfant avait 4 ans. J'ai dit à mon épouse, aucun problème. Je devais prêcher dans une croisade de lundi jusqu'à mercredi. J'ai dit, bon, nous irons d'abord à l'hôpital avant que je ne me rende à la croisade dans la soirée. Le lundi matin, donc, mon épouse et moi, nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin a examiné le garçon et il a dit, cet enfant a besoin d'une transfusion sanguine avant le début du traitement. Et c'est aux parents de trouver le sang nécessaire pour la transfusion. Alors j'ai demandé au médecin,
Puis-je donner du sang à mon fils? Le médecin a dit pas de problème pourvu qu'il y ait compatibilité. Alors le médecin m'a examiné, il a examiné le garçon, et il a dit oui, c'est bon. Alors je me suis allongé. Souvenez-vous, je suis mort le vendredi de la même semaine. J'ai fait un don de sang à mon fils lundi. Je me suis couché et ils ont prélevé du sang. Quand je me suis relevé, j'ai dit à mon épouse, maintenant je dois partir parce que le lieu de la croisade était à 3 heures de route. Et nous avons prié ensemble. J'ai laissé mon épouse et mon fils à l'hôpital. Alors je suis parti. Quand je suis arrivé à la croisade, une bonne croisade, j'ai prêché lundi, mardi et mercredi. À la fin de la croisade, je suis revenu à la maison. Savez-vous ce qui s'est passé? Mon épouse était fâchée. Je l'ai regardée et je lui ai demandé, pourquoi es-tu fâchée? Elle a dit, comment as-tu pu nous abandonner depuis lundi pour ne réapparaître que jeudi? J'ai dit à mon épouse, est-ce pour cela que tu es mécontente? Mais j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai payé les frais. J'ai fait un don de sang. Et je suis allé faire l'œuvre de Dieu. Et il faut 3 heures pour arriver là-bas. Je ne pouvais donc pas faire des allers et retours. Je devais attendre la fin de la croisade sur place avant de revenir. Mon épouse était fâchée. Elle a dit, les autres femmes qui étaient à l'hôpital avec leurs enfants recevaient la visite de leurs époux. Écoutez-moi. Je voudrais que vous appreniez de tout ce que je suis en train de vous dire. Alors j'ai haussé le ton. Savez-vous pourquoi j'ai haussé le ton? Dans mon cœur, j'étais mécontent de son attitude. Alors je lui ai dit, qu'attendais-tu de moi que je n'ai pas fait? J'ai donné de mon sang. J'ai payé tous les frais. Et tu n'es pas satisfaite. Et avant que je ne finisse mon long discours, mon épouse m'a giflé. Et en Afrique, c'est très inhabituel qu'une femme gifle son mari. Ça ne se fait tout simplement pas. Ce n'est qu'aux États-Unis. Lorsque je leur ai dit là-bas que mon épouse m'avait giflé, ils m'ont demandé, Pasteur Daniel, où est le mal si ton épouse t'a giflé? Je leur ai dit, excusez-moi. En Afrique, les femmes ne giflent pas leur mari. Peut-être si vos femmes vous giflent souvent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne savais pas que le diable m'avait tendu un piège. Mon cœur était plein d'amertume contre mon épouse parce qu'elle m'avait giflé.
Plusieurs parmi vous étaient chrétiens. Quelqu'un vous a giflé. Peut-être pas sur la joue. Maybe the person and his or her character have slapped you in one way or the other that kept your heart bitter. Peut-être pas son caractère, la personne vous a offensé d'une manière ou d'une autre qui vous a rendu amer. And every day you look at the issue, the circumstances surrounding Et chaque fois que vous y pensez, vous vous dites que c'est vous qui avez raison. Je voudrais que vous fassiez très attention. Cette nuit-là, je ne pouvais pas me rappeler la parole de Dieu qui dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Toute cette nuit-là, je ne pouvais ni lire ma Bible ni prier. Et quel était mon problème? Je me disais, elle a osé me gifler. Et le diable me faisait des suggestions. Si tu ne fais rien, elle va continuer à te gifler. Et ceci n'est que la première fois. Tu dois faire quelque chose. Alors, que vais-je faire? Je ne savais pas. Lui rendre sa gifle? Non, parce qu'elle allait pleurer. Et les voisins allaient savoir que le pasteur était en train de lutter. Alors, que faire? Et savez-vous quoi? À minuit ce jour-là, elle est venue frapper à ma porte. D'habitude, nous partageons la même chambre. Mais comme j'étais en colère, elle était dans ma chambre, à elle. D'habitude, elle dort dans la mienne. Mais comme j'étais en colère, je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Et elle est allée dans sa chambre, à elle. En pleine nuit, elle est venue frapper à ma porte. Savez-vous ce qu'elle a dit? S'il te plaît, mon chéri, pardonne-moi. Je regrette. Ce n'était pas moi, c'était le diable. Comme j'étais plein d'amertume, savez-vous ce que j'ai dit? Je lui ai dit, si c'est le diable, éloigne-toi de ma porte. Le diable a fini avec toi, mais moi je n'ai pas fini avec toi. C'était là ma réponse, je m'en souviens. Est-ce que vous voyez là où j'en étais déjà? Est-ce que vous percevez la gravité de ce que j'étais en train de faire? Est-ce que vous voyez à quel point j'étais en train de jouer avec mon salut? Laissez-moi vous poser une question. Le fait que ma femme me gifle, ce n'est pas étrange. Même comme en Afrique, c'est étrange. En Afrique, les femmes ne gifle pas leur mari. Mais dans la Bible, ce n'est pas étrange. Pourquoi donc ai-je passé toute la nuit à chercher comment gérer cette affaire? Pourquoi ai-je passé toute la nuit à chercher comment réagir à la situation? Comme si c'était étrange. Savez-vous pourquoi je dis que ce n'est pas étrange? C'est dans la Bible. Dieu savait qu'elle allait me gifler un jour.
Mais suivez-vous. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un te gifle sur une joue, pourquoi a-t-il parlé de gifle? Parce qu'il savait qu'une personne allait gifler une autre. Est-ce que vous me suivez? Mais notre chair, le diable, va nous faire croire que cela n'est pas normal et que nous devons réagir. J'aurais dû aller vers ce verset cette nuit-là et me demander, que vais-je faire maintenant? Et trouver la réponse dans la Bible. Mais j'étais un pasteur. Un enfant de Dieu, né de nouveau, mais elle m'a giflé. Alors j'ai mis la Bible de côté. Je me suis mis à gérer le problème moi-même, selon mes propres pensées. Laissez-moi vous dire, faites attention à la manière dont vous gérez les situations. Parce que vous ne savez pas quand vous serez face au tribunal divin. Pendant que je cherchais ce que j'allais faire, cette nuit-là, je suis arrivé à une conclusion. Et quelle conclusion? J'avais décidé d'infliger à mon épouse une séparation d'un an pour m'avoir giflé. Montrez-moi là où la Bible parle de séparation d'un an. Où alors donc avais-je trouvé cette solution? En moi-même. Non dans la Bible. Non du Saint-Esprit. Pas de Dieu. Cependant, tout en prétendant être un enfant de Dieu. Savez-vous ce qui allait m'arriver? Cela s'est passé jeudi dans la nuit. Pendant que mon épouse frappait à ma porte, je n'ai pas ouvert la porte. Certains parmi vous ici, quelqu'un est en train de frapper à votre porte. Maintenant, et vous avez décidé de ne pas ouvrir. Et vous avez de bonnes et solides raisons pour cela. Your husband is telling you, don't divorce me. Your wife is telling you, don't divorce me. And you don't care. Votre épouse ou époux est en train de vous dire de ne pas divorcer, mais vous faites la sourde oreille. Parce que vous avez trouvé une autre femme ou un autre mari. Ou alors vous avez d'autres raisons. Vous avez décidé de ne pas pardonner. Laissez-moi vous dire. De la même manière que les gens frappent à votre porte, c'est ainsi que vous frapperez aussi à une porte. Si vous n'ouvrez pas ce qui frappe à votre porte, le Seigneur ne vous ouvrira pas non plus la porte du pardon lorsque vous frapperez. Ce que tout le monde fait, c'est Père, pardonne-moi. Non. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez lui demander pardon 10 fois. Mais il ne pardonne pas comme ça.
Il pardonne très facilement, mais à une petite condition. Et quelle est la condition? Premièrement, avant que vous ne veniez frapper à sa porte pour le pardon, vous devez venir avec une référence. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est faire, pardonne-moi tous mes péchés. Comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Si vous ne remplissez pas cette condition, vous perdez votre temps. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas que je ne voulais pas pardonner à ma femme. Je me disais, si j'ouvre la porte maintenant, et lui dit, d'accord, je te pardonne. Qu'adviendra-t-il de mon plan? La séparation que j'ai planifiée. Alors j'ai décidé de retarder le pardon pour me venger d'abord. Et que s'est-il passé? Le vendredi matin, j'ai pris ma voiture. Elle m'a dit, ton petit déjeuner est prêt? J'ai dit non. Le soleil s'était couché et le jour suivant s'était levé sur ma colère. Parce que dans mon cœur, je me disais, j'ai raison. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce qui s'est passé, je suis allé chez mes parents. J'en ai parlé avec eux. Même quand mon père n'avait pas encore donné sa vie à Christ à l'époque, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que depuis que le Seigneur m'a ramené à la vie, c'est mon père qui, aidé de mon épouse, avait déposé mon corps à la mort. Quand le Seigneur m'a ramené à la vie, ce n'était plus difficile de prêcher à mon père. Il était le premier à me demander là où j'étais allé et ce que j'avais vu. Il était le premier à entendre le témoignage. Ce qui s'est passé, c'est que mon père a donné sa vie à Christ. Il m'a même supplié de venir l'aider à rassembler tous les objets de sorcellerie et de magie et à les brûler. Et les quatre femmes. Savez-vous ce qu'elles ont fait? Ma mère est la première femme. Et les trois autres. Savez-vous ce qu'elles ont fait? Elles ont aussi donné leur vie à Christ. Et chacune d'elles a rassemblé ses effets, a fait ses valises et a dit non, je veux aller servir Jésus. Maintenant, mon père ne vit qu'avec ma mère. Mon père prêche de nouveau et avec la même Bible qu'il utilisait dans ses pratiques de sorcellerie. Il a dit à Dieu, Père, pardonne-moi d'avoir trompé les gens avec la Bible. Dieu est grand. Laissez-moi vous dire,
to my hometown and agree with my father and my mother that my wife is coming home to spend 1 year without me. Je suis allé chez mes parents et nous nous sommes mis d'accord que ma femme viendrait passer une année avec eux sans moi. Do you know why I decided to do that? Et pourquoi donc? I know my wife loves me. Je savais que mon épouse m'aime. That is the only thing that can touch her. C'était la seule chose qui pouvait lui faire mal. To tell her you will stay in the hometown for 1 year and I will stay in the city for 1 year, this is a penalty for slapping me. Lui dire, comme tu m'as giflé, tu vas passer une année loin de moi, au village, chez mes parents. È il tuo giudizio per avermi schiaffeggiato. I know she will cry. I know she will regret of slapping me. Je savais qu'elle allait pleurer, qu'elle allait se regretter de m'avoir giflé. Because of the way she loved me, she wouldn't like to spend 1 month without me. Elle m'aime tellement qu'elle ne peut supporter passer un mois loin de moi. And now it's 1 year. Et moi j'avais prévu un an. I agree with my parents. Mes parents et moi sommes tombés d'accord. J'ai pris ma voiture. But let me tell you what I did. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai fait. On peut soi-même consciemment acheter son billet pour aller en enfer. And it's not just, you know, it was November, like in Nigeria or in Africa, November, December, you give gifts to your parents for Christmas. C'était novembre, décembre, et en cette période, au Nigeria, les gens font des cadeaux de Noël à leurs parents. So when I got home, quand je suis allé chez mes parents, j'ai emporté de l'argent parce que Dieu me bénissait à l'époque. Et savez-vous quoi? J'ai emporté beaucoup d'argent. J'ai donné une grosse somme d'argent à mon père. Et ainsi qu'à ma mère. Savez-vous pourquoi? Je savais que mes parents aiment mon épouse. Perché sapevo che i miei genitori amavano mia moglie. And I don't want them to say no to my suggestion. Et je ne voulais pas qu'ils disent non à ma suggestion. I want them to be rejoicing of the gift I gave them. Pendant qu'ils se réjouiraient de mes dons, j'allais poser mon problème. Yes, just to influence them to accept my way. C'était pour qu'ils ne rejettent pas ma demande. And it happened. Et ça a marché. Savez-vous ce qui s'est passé? Après leur avoir remis l'argent, je leur ai dit, je ne suis pas content. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit à ma mère, ma femme m'a giflé. Elle a dit quoi? Quelle abomination! Quelle abomination! Et quand j'ai dit, je vais l'amener ici pour un an, ma mère a dit, fais-la venir ici. Je vais lui apprendre à respecter son mari et moi. Mais vous savez quoi? Ma mère ne respecte pas mon père. Souvent, elle gronde mon père, elle ne le respecte pas. Mais elle voulait apprendre à ma femme à respecter son mari. Savez-vous ce qui s'est passé? Après la rencontre avec mes parents, j'étais sur le chemin du retour dans ma voiture pour la ville. Je réfléchissais. How to carry out my operation. Comment j'allais mener l'opération? Je me suis dit, aujourd'hui c'est vendredi, je vais attendre jusqu'à dimanche. Après le culte, je vais la tromper. Je vais lui dire, viens, faisons un tour au village. Et arrivé là-bas, j'allais lui dire, tu ne rentres pas en ville avec moi. Tu vas passer une année ici. C'était là mon plan. Vous voyez ça? Mais c'est même vendredi. Alors que je rentrais à la maison, j'ai été victime d'un accident. Et c'était le jour de ma mort.
rendez-vous avec Dieu. Vous ne savez où. Vous ne savez comment. Vous ne savez où. Si j'avais su comment. Si j'avais su où. Si j'avais su quand. Je ne me serais pas livré à ce jeu dangereux en ce moment-là. Je n'aurais pas été en train de jouer avec Dieu en ce moment-là. Je me serais assuré que j'ai la joie, que tout est en règle dans ma vie. Mais comme je ne savais pas que c'était le jour fixé pour ma mort, j'étais en train de jouer avec mon salut. J'étais en train de jouer avec la parole de Dieu. Et ça m'a coûté. Lorsque la voiture est entrée en collision, le volant s'est enfoncé dans ma poitrine. I was vomiting blood, I was blood from my nose, from my mouth, every part of me, and then a good Samaritan came to help me. Du sang coulait de ma bouche, de mes narines, et des gens de bonne volonté sont venus m'aider. The ambulance came and people who were there when it happened, they all had put me in the ambulance and then I was rushed to a nearby Catholic hospital. Quand l'ambulance est arrivée, j'ai été conduit de toute urgence dans un hôpital catholique non loin de là. Di corsa a un ospedale cattolico lì vicino. And that was where death. Et c'est là que la mort a commencé à m'approcher. Demain, je vous dirai comment je suis mort. Comment j'ai été séparé de mon corps. Et là où je suis parti. Mais écoutez-moi maintenant. Voici ma question. How are you handling this divine appointment in your life? Are you still thinking that it's not real and until today it will take you all away? Comment êtes-vous en train de préparer votre rencontre avec Dieu? Allez-vous encore demeurer inconscient et insouciant jusqu'à ce que cela vous prenne par surprise? This issue between me and my wife has slapped me. La querelle que j'avais eue avec mon épouse est apparue au tribunal divin et c'était une charge sérieuse contre moi. Maintenant, écoutez-moi. Voici ce qui s'est passé le jour de l'accident. J'étais désormais sur le point de mourir. Deux anges sont apparus dans l'ambulance. Savez-vous ce qui s'est passé quand ils sont apparus? J'avais peur, mais je ne pouvais rien faire. Ils sont venus jusqu'à moi et mon épouse priait. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Savez-vous pourquoi elle priait ainsi? J'avais tendance à m'endormir. Écoutez-moi. N'ayez pas peur de la mort. La mort n'est pas une ennemie. La mort n'est pas une ennemie. C'est une bonne amie. Est-ce que vous me suivez? C'est une bonne amie. Connaissez-vous mon adresse email? Mon adresse email, c'est message du séjour des morts à yahoo.com. Savez-vous ce qui se passe souvent?
Quand j'ai fait une réservation dans un vol, quand l'agent m'appelle au téléphone et me demande mon adresse email pour la réservation, quand je lui dis mon adresse email, c'est message du séjour des morts à yahoo.com, il dit quoi? Vous avez dit du séjour des morts? J'ai dit oui. Et la réponse est, vous n'allez pas voyager avec nous. Tout le monde a peur de la mort. Non. Mourir, ce n'est pas douloureux. C'est douloureux seulement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand j'étais sur le point de mourir, savez-vous ce que je ressentais? Une agréable sensation dans mon corps. Une très agréable sensation. J'avais juste envie de m'endormir. J'avais l'impression que si je m'endormais, ça allait être très merveilleux. Je ne savais pas que c'était la mort. Savez-vous ce qui s'est passé? Je disais à mon épouse, je veux dormir. Tu vois, je ne suis pas sûr de tenir le coup. Quel que soit ce qui arrive, prends soin des enfants. Prends soin de l'église. Dieu m'a utilisé pour bâtir une grande église. Prends soin de tout. Et mon épouse a dit non. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras. Pendant que je parlais à mon épouse, mes yeux se fermaient. Et vous savez quoi? Une très agréable sensation dans tout mon corps. Juste l'envie de dormir. Laissez-moi vous dire, la prière que vous devez dire, c'est « Oh Dieu, que je meurs en mon jour, que je ne meure pas à la place d'un autre, que je meure en mon temps à moi. » Ça, c'est une bonne prière. Et non, je ne veux pas mourir. Tous ces gens qui disent qu'ils ne veulent pas mourir sont tous aveugles. En Afrique, avant de saluer le roi, on dit « Oh roi, vis pour toujours. » Oh roi, vis pour toujours. Et le lendemain, le roi meurt. Mais tout le village lui souhaite longue vie. Cependant, il ne peut pas vivre pour toujours. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. La suite, pendant que mon épouse priait, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Deux anges sont apparus dans l'ambulance. Savez-vous à quoi ils ressemblent? Ils étaient blancs, non pas comme les Occidentaux, mais d'un blanc pur et glorieux, resplendissant comme la neige. Rappelez-vous, mon épouse me massait et me secouait. Et quand les anges sont apparus, ils avaient leurs vêtements, des jambes et des bras, et leurs ailes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Leurs vêtements étaient collés à leur peau. Ces vêtements, on ne peut pas les enlever. Savez-vous pourquoi? Nous portons ce genre d'habits ici.
bas pour recouvrir la poussière. La poussière va bientôt retourner à la poussière. Il vous faut la laver chaque jour. Voilà pourquoi vos habits se salissent. Car quand vous les mettez sur la poussière va les salir. Si vous passez une journée sans vous baigner, une mauvaise odeur va se dégager de vous. Après un bon bain, si vous frottez comme cela, vous verrez toujours la crasse se dégager. Voilà pourquoi il faut changer de vêtements. Mais la peau des anges et la peau des gens qui sont au paradis sont semblables. Ce n'est pas de la poussière. Est-ce que vous me suivez? Donc, ils n'ont pas besoin de changer de vêtements parce qu'ils ne peuvent jamais se salir. C'est un habit collé à la peau et ils le portent pour toujours. Ils n'ont pas besoin de se baigner. Maintenant, écoutez. Quelqu'un m'a posé une question à New York. Vous avez dit que tout est blanc au paradis. J'ai dit oui. Il a dit, oh, j'aime les couleurs. Donc, il n'y a pas plusieurs couleurs au paradis. Moi, j'aime les couleurs. Que vais-je faire? Je l'ai regardé. Je lui ai dit, écoutez, vous n'aimez pas les couleurs. Le seul qui aime les couleurs, c'est votre poussière. Quand votre poussière n'est plus, votre esprit va aimer ce que Dieu aime. Savez-vous pourquoi? La Bible dit, quand la poussière retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quelle que soit l'apparence du ciel, si Dieu y habite, votre esprit y trouvera sa place. J'étais donc étendu dans l'ambulance. L'un des anges m'a pris par le bras droit, l'autre par le bras gauche. Savez-vous ce qui s'est passé? Ils m'ont soulevé. Tout comme deux hommes peuvent soulever une personne, j'ai senti leurs mains. Je les ai sentis me soulever. Ensuite, pendant qu'ils me soulevaient, pour sortir de l'ambulance, j'ai pu me retourner. Vous comprenez? Quand ils m'ont soulevé pour sortir de l'ambulance dans laquelle je me trouvais, je me suis retourné. Et quand j'ai regardé, j'ai encore vu moi-même. Et j'ai vu mon épouse me secouant, disant, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je pouvais l'entendre. Je pouvais la voir. Et l'ambulance roulait toujours à vive allure. Et mon épouse disait, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'étais là debout avec deux anges, regardant mon épouse et moi-même. La différence, c'est que celui qui était étendu était couvert de sang. Les traces de l'accident étaient sur celui-là. Mais celui qui était debout
piedi con gli angeli. Was looking sound and fresh. Avait l'air sain et frais. No blood. Pas de sang. Non aveva problemi. No problem. Pas de facture. Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Qui ici fait souvent des rêves? Levez la main si vous ne rêvez souvent. Vous êtes vous posé la question. Qui est cet homme que je vois dans mes rêves? C'est ton être spirituel. C'est votre esprit. Écoutez. Si vous voulez vous rendre à Paris, il vous faut 2 heures de vol. Vous devez acheter votre billet. Si vous voulez vous rendre à Londres, il vous faut peut-être 3 heures de vol. Si vous voulez aller aux États-Unis, il vous faut plusieurs heures de vol. Mais si l'esprit veut aller à Paris, pas besoin de billets. Vous n'allez pas besoin de passer des heures. Dès que vous serez endormi, vous vous retrouverez à Paris. Savez-vous pourquoi? L'esprit, le voyage dans l'esprit est très rapide. Est très rapide. Et vous ne dépensez rien. Mais si vous voulez emporter votre poussière maintenant à Paris, c'est tout un problème. Laissez-moi vous dire, cet homme que vous voyez dans le rêve, dans le rêve, on peut lui tirer dessus. Vous allez vous réveiller le lendemain matin. Le lendemain, vous allez encore vous endormir et rêver encore. Mais on lui a tiré dessus la veille. Il est supposé avoir été tué. Il est supposé avoir été tué. Aujourd'hui, vous vous endormez et vous le voyez encore. Parce que l'esprit ne peut pas mourir. L'esprit a la vie éternelle en lui. La question c'est où passera-t-il cette éternité? C'est ainsi qu'ils ont pris mon esprit. Savez-vous où ils m'ont emmené? En un clin d'œil. Les deux anges ont disparu. Suivez attentivement maintenant. Ils ont disparu. Je ne savais pas où ils étaient partis. Je ne savais pas où ils m'avaient laissé. Ils avaient tout simplement disparu. Savez-vous où je me suis retrouvé? Je me suis retrouvé dans un lieu solitaire. Aucune maison. Pas de voiture. Pas d'épouse. Pas d'enfant. Vous voyez là où les gens sont confus? Je ne pouvais pas voir l'église. Je ne pouvais pas voir mon épouse. Ni ma voiture. Devant moi, tout autour, tout était blanc. À perte de vue. Aucune maison, pas d'arbre, rien. J'étais troublé intérieurement. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Où sont les anges qui m'ont amené ici? Immédiatement, j'ai vu venir quelqu'un. Savez-vous qui c'était? Il ressemblait aux anges. Et il était très loin. Mais en un clin d'œil, il était devant moi. Parce que dans l'esprit, vous ne pouvez pas courir ni marcher. Vous partez.
Et quand il est arrivé, savez-vous de qui je parle? Cette personne, c'est Jésus. Mais je vous dirai comment je l'ai su. Quand il arriva à ma hauteur, il a dit, Daniel, es-tu inquiet au sujet de bonté et miséricorde? Je ne connais pas bonté et miséricorde. Je suis troublé, c'est vrai, mais c'est au sujet des deux anges qui m'ont amené ici. Et quand je t'ai aperçu, j'ai cru que tu étais un ange, toi aussi. Je l'ai appelé ange, mais il n'est pas un ange. Il a des jambes et des mains, même couleur que les anges, mais il n'a pas d'ailes. Savez-vous ce qu'il a fait? Il m'a pris par l'épaule. Il a dit, Daniel, ne te soucie pas de bonté et miséricorde. Ils ont fini avec toi. L'ange qui était à ta droite s'appelle bonté et celui qui était à ta gauche s'appelle miséricorde. Leur mission, c'est de te suivre toute ta vie, chaque jour. Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Une chose très importante que vous devez savoir maintenant. Dès que vous dites Jésus vient dans ma vie, savez-vous ce qui se passe? Vous êtes en train de prendre la vie de Christ. Et la vie de Christ est spéciale et très importante à Dieu. Et quiconque prend la vie de Christ devient un chrétien. Vous n'êtes plus un Daniel. Vous êtes désormais un chrétien. Pourquoi? Daniel s'est approché de Dieu et a dit, donne-moi la vie de Christ. Et Christ a pris ta mort et toi, tu as pris sa vie. Savez-vous ce que cela signifie? Ça signifie que vous ne vivrez plus pour vous-même, mais vous vivrez pour Christ. Dès que vous recevez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, deux anges sont envoyés pour vous suivre. Il s'agit de bonté et miséricorde. Ils vous suivront toute votre vie. Savez-vous pourquoi ils vous suivent? Je vais vous le dire. Ils vous suivent pour enregistrer votre vie. Chaque jour, ils vous suivent. Ils ne peuvent pas vous gronder, ni vous corriger, ni vous parler. Si vous quittez votre femme et en prenez une autre, ils vont juste noter. Ils ne vous gronderont jamais. Si vous tuez quelqu'un, même avant de poser l'acte, ils ne feront rien. Ils vont juste observer jusqu'à ce que vous ayez tué. Ils vont simplement enregistrer. Savez-vous pourquoi ils enregistrent tout? Ils vont vous suivre tous les jours de votre vie. Le jour de votre mort, ils vous conduiront à la maison. Où? Pour le jugement. Dès qu'ils vous auront conduit, ils déposeront votre dossier. Ils m'ont pris. Ils m'ont conduit là-bas. Ils avaient terminé leur mission. Ils ont remis mon dossier à Jésus. Waouh, vous avez entendu ça? Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Si vous êtes touché, je suis dans la joie.
Notre travail, c'est de vous révéler ce qui est caché. Nous voulons sauver beaucoup d'âmes. La deuxième partie apparaîtra sur l'écran. Juste en dessous, je viens sur le banner. Cliquez sur cette vidéo pour pouvoir savoir ce qui s'est passé après, là où même il va visiter le paradis, mais aussi l'enfer, qu'il appelle même le royaume du diable. Il dit qu'en effet, le diable et ses démons sont à l'aise, mais les âmes des gens souffrent parce que ce lieu-là a été fabriqué, a été même conçu pour torturer les gens de la terre qui vont désobéir à Dieu et qui vont se retrouver sur cette voie-là. Alors que ce soit un ange en blanc qui te protège, toi, ce sera un ange en noir, qui est un démon qui va te protéger juste parce que toi, tu as abandonné le vrai chemin. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention sur notre voie. Sur quelle voie es-tu? Quel est le chemin sur lequel tu es? Change tes voies aujourd'hui et reviens sur le bon chemin. Jésus revient bientôt. On lui dit qu'il est à la porte aujourd'hui et il frappe. Va et ouvre la porte maintenant. Abonne-toi, partage la vidéo et clique sur le bouton de cette vidéo. Va sur la page d'accueil. Si tu n'es pas abonné sur notre chaîne, tu peux t'abonner sur notre chaîne et activer la cloche à chaque fois. Et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Merci pour la parole.